Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch, chers amis. Donc, nous sommes dans un troisième épisode de d'élimination, hein, bien sûr. On changera peut-être ça, chers amis, à l'avenir, on verra bien comment cela se passera. Crac, 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 personne ne sait ce qu'on va prendre, du coup, bah moi je prends Anna. On verra bien. Et nous avons un putain... Je suis pas tout à fait sûr. S'ils ont un heal, ça fait chier, ils en ont pas. Oh la gueule! Ah, oh, j'en ai ras le bol! Waouh. Allez. Allez. Oh là là, la vache. Oh là 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 là. Score. Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Pourquoi Reported? Hein? Ne cesse jamais de te battre pour ce que tu crois juste. Place au combat. Pas compris, il se passe quoi là? Cette boucherie. Hop. Mais bute-le ! Merci. Score. 1. Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Ah la vache, la communauté elle est vraiment violente sur ce jeu, hein, c'est pas possible. Hein. What? Ne cesse jamais de... Oh putain, ou alors ils se foutent de la gueule de mon drapeau. Les porcs. Oh, c'est très dégueulasse. Allez, mais bute-le, putain, bute-le! Putain, mais... Oh, je suis tout seul, ça me gonfle. Enfin bon, c'est pas grave. Un focus serait tellement efficace sur ce jeu. Enfin, je veux dire. Ne cesse jamais de te battre pour ce que tu crois juste. C'est pas grave. Place au combat. Point décisif. Vas-y, je te garderai en vie. Bon bah écoutez. Oh là là. C'est triste, c'est triste, c'est triste.
Ma souris, elle est où? Action de la partie. Ça... Je comprends pas pourquoi, sur le principe. Enfin, non. Le mec, il est dans un couloir, il loupe le grab, quoi. Alors qu'en face, il y avait une diva et un Rodog. Deux cibles gigantesques. Comment tu peux louper un grab là-dessus? Tu loupes une Mercy, un Genji, je veux bien. Même une Symmetra, je veux bien, tiens. Même si c'est de la saloperie, Symmetra. Mais louper un tank avec un grab... Enfin, tu me diras, faut bien commencer quelque part, mais bon... Si le seul tank qui est plus ou moins chiant à graber, en dehors de Reinhardt et son shield, c'est... comment qu'il s'appelle? Merci pour la défaite au compteur, Blizzard. C'est toujours sympa, Blizzard, de me faire ça. J'adore. Il faudrait qu'en fait Blizzard sévisse sur le principe. Parce qu'en fait, s'ils pouvaient sévir sur le principe des livers, des machins, des trucs comme ça, ils font payer le jeu plus souvent à une personne, et ça leur apporte plus d'argent, et ils peuvent baisser les prix des trucs derrière. Ce serait vraiment cool. Parce que là, Blizzard, ce qu'il est en train de faire en ce moment, d'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, chers amis, dans World of Warcraft, il y a maintenant des jetons qui correspondent en fait à une monnaie virtuelle de boutique, hein. J'entends là de boutique, non pas d'achat, qui fait le pont entre le virtuel et le réel. Par exemple, avec un jeton, vous pouvez vous payer un mois, je crois, d'abonnement à World of Warcraft. C'est 85 000 pièces d'or en ce moment, le jeton. Et ben en fait, vous pouvez acheter ce jeton avec de l'argent in-game, pour payer des choses dans le monde réel. Vous voyez le principe, hein. Donc, si vous jouez à WoW et que vous avez de l'argent et que vous pouvez vous permettre d'acheter des jetons, vous pourrez vous payer 12,99€ d'argent d'un truc, par exemple. Donc là, 12,99€, on parle bien sûr de ceci. À 12,99€, pour 12,99€, vous pouvez payer, par exemple, 12 coffres. Même un peu plus. 13 coffres. Voilà, le petit message, donc voilà. Et là on trouve plus de partie, parce que le jeu veut pas. C'est dommage, hein. Ah là là. C'est pas grave, hein. Enfin bon, c'est pas gravissime non plus, hein. J'ai qu'une emote sur lui. Je me tâte à acheter toutes les... Non, il faudrait que je regarde en fait tous ceux qui ont des emotes caducés. Hein, parce que j'ai m'asseoir. Non, je l'ai pas. Là, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, bon. On va tomber sur quoi? Fury, Jakarta, Marianne, Killa et Ben. On va bien voir. Je prends pas Anna, je prends pas un tank. Hein. Ah bah, parfait. Oh putain. On va voir. Peut-être que je suis pas aussi bon avec le grab que je le prétends. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Je te protège. Mais putain, mais... Hop, parfait, ça a été un peu bourratif, mais c'est passé. Ok. Putain. Oui. GG. GGGG, hop les GGGGGGG. Bah écoutez, on va continuer sur cette superbe compo. Pourquoi pas. Il faudrait que je m'entraîne avec Macri, j'aimerais bien. Mais plutôt là en personnage en ce moment que j'aimerais bien train, c'est Genji. J'aimerais bien revoir en fait tous mes flancs
Puisque souvent, en fait, si je joue pas heal, si je joue pas tank, je joue flank plutôt que DPS frontline. Même si c'est vrai que je dis ça, mais soldat est un très bon frontliner. Hein. Merci. Où sont mes copines? Où est mon autre copine? Oh la vache! Oh la vache! J'avais oublié les détails. GG. Je serais curieux de savoir qui est contre nous du coup. Enfin, qui reste-t-il? Qui reste-t-il? Tous vos équipiers ont été éliminés. La gueule? Merde! Putain, mais il me saoule! Il est bon! Hop! Boum! Voilà! Ça a été la sortie des ultis. Il est bon. Je sais que je dis trop souvent hop, chers amis, il faut que je corrige ce détail. Faut vraiment que je le corrige. C'est le problème, c'est que quand je tryhard, je hop. C'est le problème. Hop, 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 hop. Abouski. Comme dirait un certain Markiplier. Ok, on est bon. Un peu tard. Allez, eux. Dommage. Oh la vache. Oh, droit dans la bouche. Non. Oh mon cru. Ma cri qui suce un glaçon. Non. Ah. Pourquoi Rein? Pourquoi Reinhardt? Pourquoi Reinhardt? Why? 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 C'est la mail qui me dérange. Ah bah je suis mort moi. Putain. Ah ouais, enfin bon. Là il y avait pas de raison de prendre Reinhardt. Hein.
Place au combat. Point décisif. Je dirais pas non à du heal. Merci. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Je suis votre bouclier. Parfait, je croyais que j'attendais qu'elle descende, mais en fait elle est pas descendue. Vous voyez, donc c'est bien ce que je dis, hein. Si toute l'équipe n'est pas derrière le Reinhardt, on gagne pas. C'est pas possible. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, dans un 3v3, dans une partie classique, il est clair que avoir. Ah, je crois qu'elle lui avait fait bonjour, c'est marrant. Dans une partie classique, il est clair que ça avantage complètement l'équipe d'avoir un flank, alors que tout le monde est derrière le Reinhardt. Ah bah, dans les trois coffres que j'ai ouverts aujourd'hui seront mauvais. Hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est comme ça aussi, hein. J'y peux rien. Combien que j'ai en 720. Sinon, je me serais payé sans doute. Sans doute ceci. Donc j'ai essayé de la montrer dans le précédent épisode, je crois, avec le coq, juste pour savoir si le coq vole. C'est juste pour ça. Il y avait celle-là aussi qui est sympa, mais bon, je la trouve pas pour autant magnifique. Elle est sympa, hein, 2 minutes, mais pas magnifique. Enfin bon, on verra bien. Le combat suivant, chers amis. Ça me fait 7 minutes, on peut encore en faire peut-être un ou deux, un seul, malheureusement. Parce que c'est à peu près 5 minutes, 22 minutes. Oh, quoique peut-être deux, on verra. On verra comment se passera cette partie. Iceman, Aelion, Fantomette. 1, 2, 3, d'accord. Pour l'instant, dès que j'ai vu une tresseur dans l'équipe, j'ai pas apprécié. En tout cas, aujourd'hui. On va bien voir, hein, il est possible que je me trompe. Mais elle a rarement fait le taf. J'ai plus fait le taf avec ma Sombra qu'avec leur tresseur, que quand je voyais leur tresseur. Je faisais 2 kills par partie avec la Sombra à peu près. Où était Anna? Anna était restée au spawn. Ah oui, c'est bien logique. Waouh. Vous aussi, vous avez une impression de déjà vu? S'il peut gérer le temps, il n'y a plus de temps. Le problème, c'est que s'il passe dans un Symmetra. Non! Oh putain. On l'a refait, ok? Là, je suis pas tout à fait d'accord avec son utilisation. Hein. Passe pas par l'intérieur. Hein. Ça va les retenir. Oh, il a du bol. Et c'est la fin. J'ai presque envie de lui dire c'est ce qui arrive quand on joue solo. Hein.
Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. C'est comme ça, hein, chers amis. Malheureusement, c'est ce qui arrive quand on joue solo dans un jeu en équipe. Tout le monde meurt. Désormais, nous sommes tous des soldats. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Je suis désolé, chers amis. Hein. Je sais que j'ai pas le moral du tout quand je joue à ce jeu. Du bol. Quoi ? Elle est passée où ma roquette ? Merde, j'entends qu'il tire, j'entends qu'il tire, j'entends qu'il tire. Putain, le traquenard de merde! Fils de... Non! Mais non, tu peux pas être si mauvais! Oh là là. Oh la vache. Je vais garder le nodonte. It's a trap. Non! Non! Putain, si on perd! On va perdre à cause de ça. Notre monde vaut la peine qu'on se batte pour lui. 1. Place au combat. Point décisif. Ça va les retenir. Ça va les retenir. Je me transforme en glaçon. Hop. On va récupérer et être full life. Je peux être aidé ? Voilà, ça t'apprendra. Préparez-vous au combat. Ça t'apprendra. Choisissez votre héros. Oh là là, j'en chie, chers amis, si vous saviez comme j'en chie.
Je suis tellement en train de tryhard. C'est la dernière vidéo de la journée. Et je tryhard, mais d'une force. Notre monde vaut la peine qu'on se batte pour lui. 1. Place au combat. Point décisif. Attention à la message. Barrière activée. Ceci. Score 2. Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Notre monde vaut 3, la peine qu'on se batte 2, pour lui. 1. Place au combat. Point décisif. Ceci va de la partie.